Nang's Reborn. Wow! Bonjour les rubans! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose de vraiment très étrange, trop étrange. Ah! C'est là où va le monde, on se demande vraiment ce qui se passe. Écoutez, venez, venez, vous allez voir ça avec moi. Vous-même, vous risquez d'être étonné. Ah! Regardez là. Ici, on voit une voiture. Une voiture appartenant à une star de la musique. Il s'agit de Burna Boy, une star de la musique au Nigeria, qui a eu un accident. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que quand il y a eu accident, alors que les gens viennent l'aider à sortir du véhicule, ils se sont tout simplement mis à filmer ça. Genre, filmer, histoire de dire à tout le monde que oh, c'est moi qui ai capturé la première image, oh, c'est moi qui l'ai filmé en premier, oh, oh, yeah. Ah, lui-même, il est étonné. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, regardez. Vous voyez la voiture? Vous voyez la voiture là-bas? Juste là, au milieu, la Ferrari qui est là. Regardez très bien. Et celui qui filme dit, ça c'est ici l'endroit où Burna Boy a eu son accident. Au lieu d'aller l'aider, quand tu flippes, tu dis, ah, hé, les gars, c'est ici Burna Boy a eu son accident. Hein. C'est étrange, c'est étrange. Regardez-vous de vous-même. Vous voyez ça, et les gens sont venus autour. Vous voyez ça? Et tout ça, c'est l'endroit où Burna Boy vient d'avoir son accident. Oui. Et on voit la voiture ici, comment, dans quel état elle est. Il y a un pneu qui est endommagé. Et Burna Boy a eu un problème au pied. Vous voyez l'accident? Il a eu un problème au pied. Voilà. Et on voit les images et tout ça. Wow. Maintenant, Burna Boy, il a expliqué aux gens que c'est vraiment vrai ce qui vient de se passer. Mais lui, c'est la manière dont les gens se sont conduits. Comme vous voyez ici, par l'anglais, vous pouvez faire la traduction, mais il dit oui, c'est vrai. J'ai eu un mauvais accident avec. Il y a eu un mauvais accident dans ma Ferrari. Oui. Il dit, j'ai eu un mauvais accident dans ma Ferrari aujourd'hui. Il dit, mon pied, my leg, bon, on va dire jambe. Peut-être jambe. Voilà, il veut dire que son pied, son jambe, my leg, just. Genre, il a eu un problème au pied, voilà. Mais il dit que voilà, mais il va bien maintenant. Et il va plus loin pour lui dire, it's just funny how everyone come out with phone recording me instead of trying to help. Il dit que la chose qui l'a vraiment surpris, c'est la manière dont les gens, au lieu de venir l'aider, couraient et allaient vers lui avec leur téléphone pour filmer. Pour le filmer, au lieu de le dire, viens le filmer. Oui, non. Il dit, malgré tout ça, voilà, il les aime. Voilà, il les aime, malgré tout. Vous voyez ça? C'est vraiment étrange, c'est vraiment très trop étrange. Trop étrange. Est-ce que vous voyez un peu où le monde s'en va? Est-ce que vous voyez un peu là où le monde va? On arrive dans un monde où tout le monde veut faire le buzz. C'est devenu une société de consommation. Même filmer une star, ça peut vous rapporter tellement d'argent que vous ne pouvez pas croire. Ça fait que quand les gens voient une star dans les difficultés, au lieu de venir l'aider,
Leur priorité, c'était d'abord capturer l'événement, filmer ça. Parce que ces gens espèrent être les premiers à avoir la vidéo, avoir les informations, avoir les premières images et tout ça, alors que la personne venait de souffrir dans le véhicule. Et là, lui-même, il finit par comprendre la gravité de la situation. Et oui, il s'est dit, mais attends, je vais d'avoir un accident. Venez m'aider, vous filmez. Vous me filmez. C'est-à-dire que là, si c'était un accident vraiment trop grave, il allait rester, il pourrait rester là. Il pourrait y rester. Et oui, aujourd'hui, quand tu as un problème, personne ne peut venir te secourir. Par exemple, une bagarre éclate dans la rue, personne, tout le monde passe, personne vient pour séparer. Le monde est devenu comme ça, chacun se cherche. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir, chacun va à ses occupations. Et quand il y a un tel événement, ils sont chauds, ils sont toujours chauds à venir pour capturer la première image. Même si la personne accidentée risque de mourir, eux, ils s'en foutent. Ils veulent être juste les premiers à voir les images. Vous voyez, ils veulent être juste les premiers à voir les images. Vous voyez ça? Vraiment, c'est. Je pense que nous devons revoir nos comportements. Nos comportements, vraiment. C'est assez étrange. C'est cette partie-là même qui m'étonne le plus, le plus. Imaginez vous-même. Vous êtes dans cette situation où vous êtes devenu célèbre, tout le monde vous connaît, et un problème vous arrive. Pendant que vous êtes en train de vous noyer, vous êtes dans l'eau en train de vous noyer, vous buvez l'eau. Les gens vous voient. Et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de vous filmer d'abord. C'est de vous filmer. Ils ne veulent pas vous aider. Tout à l'homme aura besoin d'aide. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, parce que tout le temps on aura besoin de l'autre. Mais que se passe-t-il? C'est bizarre la vie. C'est très 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 bizarre. Le comportement des gens sont en train de vraiment beaucoup changer vu le succès des réseaux sociaux. Regardez-vous. En tout cas, moi, j'aimerais vous dire ceci. Dès que vous voyez quelqu'un en difficulté et que vous pouvez vraiment l'aider, foncez. Surtout dans les gens. Ça dit ça là, ça doit être même normal. Même. Ça doit être même instantané. Genre, tu vois. En tout cas, ça ne s'explique pas. Mais ça doit être instantané. C'est le cœur qui va agir tout seul. On n'a pas même besoin de vous dire, on n'a pas besoin de vous donner des conseils même par rapport à ça. Le cœur va agir de lui-même. On dit, voici un accident. Ouh, ah, on regarde, voici le gars. Il est se tourne de douleur. Ouh, il attrape son pied, il attrape sa jambe. Ouh, allez, allons. Ils sont devant la voiture. Ah, on fait sortir la personne. Est-ce qu'elle va bien? Appelle l'ambulance. Appelle les pompiers. Mais là aussi, il faut apprendre des mesures de premiers soins. Les premiers soins, quand quelqu'un a un accident, comment il faut gérer ça? Parce que si vous pouvez faire sortir la personne du véhicule comme dans le mauvais sens, ça risque d'aggraver sa situation. Hein? Imagine interne, ça devient même bizarre. Mais vraiment, que Dieu nous arrache au danger, c'est mieux. La paix, c'est mieux. C'est mieux que la guerre. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne double vidéo. Soit abonné ou restez connecté. Wow, merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Reborn 3. Application Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche.
C'est parti.